métier de TF1, CDD, Coca-Cola par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Il est temps de parler de ceux qui nous surveillent à chaque instant, au motif que c'est pour notre bien. Et puis, il est grand temps de parler de nous interroger. Pourquoi acceptons-nous ainsi, sans mot dire, d'être surveillés, épiés dans nos moindres faits et gestes ?
On ne vivrait pas sur rêve.